C'est vrai, ah, vous êtes à fond dans les vacances. Tous les jours, oui. Oui, cette fameuse chilienne qu'on aime vraiment parce que ça nous rappelle notre enfance. Alors, on peut en trouver sur Le Bon Coin pas cher, on peut en trouver sur les marchés aux puces. Et peut-être que le tissu ne va pas vous convenir. Très, très simple à changer, Hervé. C'était ça le but de mon Do It Yourself aujourd'hui, en direct. Alors, mon agrafeuse est un petit peu capricieuse, donc soyez... on va être indulgents. Voilà. Vous allez tout simplement arracher parce qu'aujourd'hui, il y a deux techniques. Soit c'est agrafé, soit c'est passé dans une barre en bois. Quand c'est agrafé, on enlève les agrafes, on prend l'ancien tissu et votre nouveau tissu, tout simplement découpé aux dimensions de l'ancien tissu. Alors, je me suis un petit peu avancée. Donc, on agrafe tout simplement en haut. Voilà. Alors, en prenant bien soin de repositionner le tissu au même endroit. Il y a généralement une marque... voilà, je le savais. Elle a décidé de m'embêter. Mais j'ai mon marteau. Alors, il y a une marque de... Il y a une démarcation, en fait, sur le bois qui permet de voir où était le tissu. Donc, on agrafe, je dirais, 5 ou 6 agrafes et on passe. Voilà, un tour complet. C'est agrafé au bois. Moi, je pensais que c'était le tissu qui était agrafé en dessous. Non, non, c'est agrafé directement en bois. On positionne le haut et on va faire, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, avec les agrafes qui ne seront pas apparentes, hein, finalement, puisque le tissu recouvre. Alors, il faut prendre la peine de prendre un tissu, si possible, adapté à l'extérieur. Et adapté au poids aussi, non ? Non, enfin, non, non. Oui, c'est surtout à l'extérieur. En fait, il y a des tissus spéciaux, déperlants anti-UV qui résistent très bien, que vous trouvez dans tous les magasins de tissus. C'est pas parce que je me sens confort dans mon polo, par exemple, que je peux le transformer en transat. Ça va pas résister si vous assiez dessus, on est d'accord. Hein. Et puis, non, il faut surtout un tissu qui va résister aux UV et suffisamment costaud. Et ça, dans les magasins, on trouve facilement. Ouais, vous trouvez ça dans tous les magasins de tissus maintenant. Il y a des gammes vraiment, vraiment sympas. Et aussi, la petite doublure que vous allez avoir sur les côtés. Regardez, je vous montre, parce que moi, j'ai fait un petit... une petite couture. Le fil que vous utilisez peut-être du polyester. C'est résistant et c'est surtout imputrescible par rapport au coton. Parce que l'idée, c'est quand même d'être à l'extérieur, d'avoir le transat à l'extérieur. Et bon, voilà, mon agrafeuse. Et comment tu les... question, comment tu peux laver ça? Parce que tu es obligé de le redétacher, alors. Ouais, ça se redétache. Alors, il y a des systèmes aujourd'hui de... Je vais quand même le finir pour m'asseoir dedans. Mais du coup, on va risquer la mort en direct. Attention, tu as intérêt de ne pas louper ton coup. Parce que si tu t'assieds dedans et que ça s'effondre... Petit conseil, donc, une agrafeuse qui fonctionne, c'est toujours mieux. Et oui, évidemment, il faut la décrocher. Si jamais votre système, c'est une barre en bois, il faudra faire au bout du tissu un petit rebord comme celui-là. Et vous allez passer votre barre en bois. Et ça, c'est facile à nettoyer. Très vite, Caroline, il va falloir la tester parce que c'est bientôt l'heure de nous quitter dans quelques secondes. C'est peut-être ma dernière chronique. Attention. Attention. Tu tiens. Ça tient. Bravo. Voilà. Alors, Caroline, aujourd'hui, tu vas répondre à un grand mystère qui m'habite. C'est à quoi sert ce truc? On en a tous vu et je ne savais pas à quoi ça sert. Alors déjà, je suis ravie que vous l'ayez vu, Hervé. C'est déjà très bien. Le juju-hâte, il faut le savoir, ne sert à rien. Si ce n'est apporter un peu de voyage, d'ethnique dans votre intérieur. Ah, ça fait même pas la poussière? Non, même pas. Ça l'attire juste? Non, même pas. Malgré que ce soit des plumes artificielles, aucun animal n'a été maltraité pour cette chronique, je tiens à le préciser. Donc ce sont des plumes artificielles. Moi, j'ai craqué pour ces juju-hâtes. Alors, on peut peut-être voir à quoi ressemble un juju-hâte en situation, parce que là, sur le plateau, effectivement, ça ne peut pas forcément vous parler. L'idée, c'est d'en mettre plusieurs sur son mur. J'ai mis quelques photos, normalement, dans la boîte à photos. Voilà, ça, ce sont les juju-hâtes en place. Et je vous garantis que sur un mur blanc, avec des plumes colorées, ça fait vraiment son plus bel effet. Ça peut aller dans
tous les intérieurs. Vous pouvez même les mettre dans la chambre d'enfant. Et ça vient du Cameroun. Ce sont des masques africains de tribus camerounaises qui se sont tout d'un coup retrouvés sur les murs de nos intérieurs des aux États-Unis. Ils avaient ça devant le visage, mais ils faisaient comment pour voir ? Non, des coiffes. Pardon, des coiffes avec des masques d'éléphant, mais les coiffes, pardon, c'était sur la tête. Et l'idée, c'est de multiplier les juhat, donc de ne pas en avoir qu'un seul. C'est là où ça ressemble. Attention de ne pas le poser sur ton micro. Non, j'ai vu, je fais attention. Et donc, je voulais vous prouver aujourd'hui que, comme vous le voyez effectivement partout, on le voit beaucoup dans les magazines et sur le net, que ce n'est pas très compliqué à faire finalement. Il ne vous faudra pas grand-chose. Il vous faudra des petites mains, du fil, une aiguille, des plumes. Alors là, je vous le disais, les plumes sont naturelles ou pas, si vous voulez garder le respect des animaux. Vous avez vu, j'ai un petit set de table. Ça, c'est un set que vous allez trouver dans tous les magasins de bricolage, de déco, y compris même nos amis suédois. Je l'ai recouvert d'un tissu blanc, ce set, et je vais ensuite coudre ces bandes de plumes. Alors, vous les trouvez sur le net, comme celle-ci. Donc ça, c'est des plumes artificielles que je vais coudre en bordure. Alors, plus vous êtes en périphérie du set de table, plus votre juju hâte sera grand. Je vous conseille de vous munir d'une grande aiguille de fil blanc si vos plumes sont blanches. Après, vous adaptez la couleur du fil à vos plumes. Et un dé à coudre aussi, ça peut servir parce que, mine de rien, pour traverser la tresse, il faut quand même un peu de force. Mais en 2 heures de temps, vous allez recouvrir tout le set. Donc, vous voyez, je fais le pourtour. Et puis ensuite, je compte environ 3 cm et je refais exactement la même chose avec, avec mon ruban de plumes. Là, j'ai utilisé 2 rubans de plumes de 2 mètres, donc il y a à peu près 4 mètres sur un set qui fait 40 cm. Et ça s'enroule. Je pensais que tu faisais en escargot, mais en fait, c'est cercle par cercle. Voilà, je préfère couper. Je me suis dit que ça ferait plus propre. Le tissu, ça permet évidemment de cacher la tresse. Et alors, j'ai terminé mon juju hâte avec d'autres petites plumes couleur saumon, que j'ai enroulé en fait entre les plumes blanches et qui viennent finir le cœur, parce que c'est pas toujours facile à finir le centre. Oui, j'allais dire pour que ce soit assez symétrique ou qu'on voit pas c'est surtout le centre. Voilà, pour bien finir. Il vaut mieux mettre des plumes alors qu'ils soient un peu. Voilà, ça c'est une imitation plume d'autruche et il suffit de mettre ensuite un petit fil de fer à l'arrière. Et vous pourrez le suspendre. Et le ruban de plume, ça se trouve facilement. Alors, il y a beaucoup de sortes différentes. Oui, vous les trouvez dans les magasins de bricolage ou sur le net. C'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous pouvez bien sûr utiliser des vraies plumes. Il y a des marchands de plumes qui sont très regardants sur la manière dont sont récupérées ces plumes. Donc, il n'y a pas de souffrance animale derrière. Évidemment, plus vous allez chercher des belles plumes, plus ça va coûter cher. Sera élevé. Combien de temps tu as mis pour réaliser ce juju hâte ? J'ai mis 2 heures. Un ruban de plumes comme celui-là de 2 mètres, c'est 5 euros. Il m'en a fallu 2. Ah oui, c'est pas très cher. Le set de table, c'est 5 euros aussi. Donc voilà, 15 euros, vous avez votre juju hâte. Et une décoration très personnalisée. Voilà. On m'a dit, Caroline va nous faire une très belle lampe en laiton. Ah. La personne qui m'a dit ça, je lui signale que le laiton, c'est jaune. Ce qui est orange, comme ça, c'est du cuivre. Voilà. Et voilà, c'est du cuivre. Je veux du cuivre pour la fête des papas. Pourquoi pas réaliser... Ah ben moi, je veux bien un cadeau comme ça. Bah oui, réaliser pour... Alors, pour votre... Oui, elle va être un peu jeune, tôt, on est d'accord. Un peu tôt. Mais c'est extrêmement simple à réaliser. C'est vraiment un montage de mécano, tout simplement. Tube en cuivre, petit coude. C'est vraiment très, très facile. Alors, il y a plusieurs modèles. Bien sûr, on peut se lâcher et faire ce qu'on a envie. Mais la base, c'est effectivement ces petits tuyaux en cuivre. Alors, soit vous en avez dans votre cave d'une précédente rénovation, ou alors vous allez... Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais toi, tu as toujours tout qui traîne dans ta cave, de tubes, de la colle. Vous avez ça chez vous. C'est un hangar que tu as à côté de chez toi. Non, alors du coup, en magasin de bricolage, vous avez... Un tube de 2 mètres, ça vaut à peu près 8 euros. Et donc, alors soit vous prenez l'option hard, comme moi, avec une scie à métaux. C'est un peu costaud, il faut de l'huile de coude. Sinon, vous avez tout simplement des coupes tubes en cuivre qui existent dans le marché. C'est 7 euros et ça vous permet de couper droit votre tube. Et après, eh ben voilà, il suffira tout simplement... Là, j'ai 11 petits morceaux de tubes coupés avec des dimensions bien, bien déterminées. Je vous les mettrai sur mon site. Et on assemble, donc on achète
fourchettes, des coudes de la même dimension. Là, on ne met pas diamètre... de colle, il n'y a pas de soucis. Alors, je mets un peu de colle sur certains. C'est de la colle tout simplement super glue pour bien maintenir une stabilité de la lampe. Les vrais, les puristes me diraient qu'il faudrait souder, mais là, on ne va pas aller jusque-là. Un petit point de colle. Et puis la soudure, ça détériore la couleur? Un filet de soudure, c'est très, très fin. Si c'est bien fait, non, non. Et après? Et donc après, on passe le fil électrique. Donc là, moi, j'ai choisi... Pareil, désolée, c'est un fil que j'avais en stock à ma cave. Oui, tout le monde a un truc vintage des années 50 à sa cave. Ça se trouve dans le commerce aujourd'hui avec des douilles, le système. Voilà, le petit tube de colle, ça c'est pour vraiment renforcer. En fait, ça va être très important de stabiliser la lampe pour qu'elle soit. Ouais, c'est surtout le cadre en fait. Par contre, j'ai vu un truc plus compliqué. Et ensuite, voilà, on monte le fil électrique, donc interrupteur, douille. Il y a un trou derrière, vous l'avez vu, ça ? Le trou pour passer le fil, on le voit là d'ailleurs dans le prolongement. Perceuse avec mèche à métal. C'est le mot qu'il ne faut pas me dire, perceuse. Quand on doit aller chercher la perceuse, c'est généralement, je ne sais pas, Jean-Yves, toi t'aimes bien. C'est un tout petit trou. Et puis surtout, économiquement, ce n'est pas si catastrophique. Là, on est à moins de 20 euros. Pour une lampe de cette dimension. Le cuivre, c'est super tendance. Et c'est super tendance. Là, pour le coup, alors, j'ai rien inventé, mais je trouve que voilà, ça fait un effet bug sur un bureau. La douille en haut, tu l'as fixée comment ? 7 euros. Alors, j'ai remis un point de colle. Après, la tension du fil dans le tube maintient déjà fortement la douille, mais on rajoute un petit point de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Et donc, tous ces embouts, on les trouve sans problème dans le commerce, les magasins de bricolage. Et puis, en plus, dans les magasins de bricolage, maintenant, si on veut des découpes, si on vient avec ta fiche technique et qu'on donne les tailles, cuivre, généralement, ils le font, ils sont assez gentils. En bois, oui, mais en cuivre, je ne suis pas sûre. Ah, si. En tout cas, c'est vraiment très simple à couper. Vous avez ces petites pinces. Et après, libre à vous de vous lâcher, de faire des étagères.